Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Arcadia Quest, un jeu pour 2 à 4 joueurs pour une durée de partie d'environ 60 minutes à partir de 14 ans. Alors, dans Arcadia Quest, nous jouons des guildes qui essayons de libérer Arcadia. Donc, nous allons choisir un plateau de guildes et nous allons jouer autour d'un combat tactique, autour d'objectifs joueurs contre environnement, c'est-à-dire des missions qui vont se présenter, mais également du joueur contre joueur, puisque ce n'est pas un jeu coopératif et il faudra taper sur les autres joueurs. Donc, nous avons un plateau et nous avons le choix parmi 12 figurines de héros, représentés aussi par des petites cartes qui représentent leur pouvoir particulier. Et chaque guilde va être constituée de 3 héros. Donc par défaut, les figurines sont neutres et on va rajouter des petits supports de socle qui vont les identifier à notre couleur. Une fois que nous avons placé, que nous avons choisi nos héros, nous allons avoir donc notre plateau de guilde qui contient les 3 héros, nous allons leur donner de l'équipement. Le fonctionnement de l'activation dans ce jeu est que chaque fois que nous avons souhaité activer et faire jouer un de nos personnages, nous allons le choisir, le déplacer et ensuite il faudra placer un jeton d'activation sur l'objet que nous allons utiliser pour attaquer. Donc là par exemple, je choisis d'attaquer avec la fidèle épée et je vais pouvoir attaquer le monstre en lançant les dés de combat et de défense. C'est un jeu de tactique, donc c'est assez classique au niveau des ZD. Avec des boucliers pour représenter les défenses, des épées, des arcs ou des petits symboles d'explosion pour les critiques. Et voilà, on va calculer les dégâts, etc. Pour l'instant, c'est assez classique. Par contre, je ne pourrai pas réutiliser ma fidèle épée avec ce personnage tant que je n'aurai pas fait une action particulière pour enlever les marqueurs. Alors, on va pouvoir, à notre tour, à chaque fois, en alternant avec les autres joueurs, activer un personnage ou faire se reposer toute la guilde. Le moment où on va reposer la guilde est assez critique, c'est ce qui fait une des originalités du jeu. Donc on va poser des petits marqueurs un peu partout sur nos personnages au fur et à mesure du déroulement du jeu, et à un moment donné, si on estime qu'on est dans une position où on peut donner un tour à notre adversaire sans jouer, qu'on est un petit peu protégé, on va choisir de reposer sa guilde. Dans ce cas-là, aucun de nos héros ne s'active, et en échange de quoi, on enlève tous les petits marqueurs d'activation de notre guilde, et au prochain tour, on pourra à nouveau réutiliser les objets. Une autre des originalités est donc le fait que, autour des scénarios que nous allons jouer, nous ne sommes pas en mode coopératif. Donc, les missions nous proposent des objectifs JCE. Par exemple, ici, l'objectif est d'aller récupérer des armes perdues dans le quartier des forgerons et de tuer 3 monstres qui ont été envoyés par le grand vilain. Donc, ce sont des objectifs un peu spécifiques joueurs contre environnement. Mais nous allons pouvoir aussi avoir des objectifs en tuant les héros de l'équipe adverse. Puisqu'on va avoir un objectif tuer un vert, donc pour mes héros, que mon adversaire pourra conquérir, ou tuer un rouge, qui vont être pour moi une manière de récupérer des points de victoire. Chaque scénario se termine dès que un joueur atteint 3 objectifs atteints, résolus, et qu'au moins un de ces objectifs est un objectif JCE, puisqu'il faut avoir au moins un petit peu fait progresser l'histoire pour que le scénario soit gagné. Voilà. Une dernière particularité du jeu est qu'il n'y a pas de tour spécifique pour les monstres. Les monstres vont s'activer en étant sous le contrôle de nos adversaires au moment où nous allons jouer. Donc les monstres se déclenchent dans 2 cas. Soit quand il y a un déplacement autour de la case d'un monstre, c'est une action de protection. Donc chaque fois qu'un joueur va essayer de se déplacer autour d'un monstre, on va déclencher l'activation d'un monstre qui va attaquer le joueur qui se déplace autour de lui. Et enfin, nous avons l'action de vengeance. Chaque fois qu'un joueur décide d'attaquer un monstre, le joueur qui est actuellement en contrôle de ce monstre va pouvoir choisir de déplacer, puis de faire attaquer ce monstre à sa convenance, de la manière la plus optimisée possible. Je rappelle que donc, comme le jeu n'est pas coopératif, il devient intéressant d'optimiser les actions des monstres pour tuer des héros adverses. Voilà, vous savez à peu près tout sur Arcadia Quest. Maintenant, à vous de jouer !